Alors, bonjour tout le monde. J'espère que votre demi-année s'est bien passée. On est peut-être un peu fatigué, là, on s'en va bientôt en vacances, mais là, je sais pas, là, il reste juste quelques jours. Donc, c'est notre deuxième après-cours cette année. Aujourd'hui, donc, après un mot de bienvenue, on va faire un retour sur ce qu'on avait discuté la dernière fois. Donc, on avait parlé de la différence entre la pensée historienne, la méthode historienne. Donc, on va faire un retour ensemble. J'ai peut-être quelques propositions à vous suggérer. Alors, après le retour sur la pensée historienne, je disais donc que j'allais vous proposer peut-être, merci Alexandre, peut-être quelques outils techno avant de laisser la place justement officielle à Jean-Félix à ce niveau-là. Mais on verra avec le temps qu'on a. Sinon, ben, je proposerai mes outils la prochaine fois. Je vais probablement en ajouter d'autres. Pour l'instant, j'en ai gardé juste deux. Donc, les deux prochains après-cours, on se retrouve après les fêtes bien reposées le 13 février, juste avant la Saint-Valentin. Et notre dernière rencontre est prévue pour le 14 mai 2024. Les deux rencontres, comme d'habitude, sont prévues de midi à 13 h. Vous devriez déjà avoir reçu des invitations par courriel pour les mettre à vos agendas, mais on n'oublie pas toujours passer par le site de la communauté Univers Social, comme vous l'avez fait aujourd'hui, là, des après-cours, pour pouvoir vous connecter. Donc, avant, en fait, d'aller à mon point de Sarah, je voudrais qu'on fasse juste un petit tour d'horizon pour voir, là, vous, de comment ça fonctionne en histoire de votre côté en cette de première demi-année. Donc, est-ce que quelqu'un voulait nous partager comment ça se passe dans vos milieux? Catherine nous entend. Oui. Oui, j'entends, tu me prends du pourvu. Ah, désolée. Non, il n'y a pas de problème. Ben, ça se passe bien. C'est sûr, Sarah, tu me soutiens beaucoup dans l'accompagnement. Dans le fond, on travaille avec les outils que tu as développés, qu'on a partagés. On a la mesure 15081 aussi qui nous permet, c'est ça, d'avoir un soutien particulier, puis un petit peu plus d'accompagnement. J'essaie de voir, depuis le début de l'année, je sais qu'il y a eu de l'accompagnement d'Annexe 29, donc des libérations d'enseignants avec élèves, puis Sarah qui ont été faites. Sinon, je ne sais pas qu'est-ce qu'on a fait aussi depuis le début de l'année. Ben non, mais ce que je pourrais rajouter, c'est que sur l'ensemble des élèves qui ont été accompagnés, donc on les accompagne avec le prof, avec l'élève, puis moi je les soutiens, ben il y a seulement un élève qui a échoué un examen. Donc tous les autres sont en réussite. Fait que ça, c'est une bonne nouvelle. Sinon, on pourrait rajouter qu'au Samar, à partir de janvier, on va se réunir pour faire des CAP. C'est vrai. Donc c'est communauté d'apprentissage, est-ce que c'est ça? Oui. Oui. Donc, on va se réunir avec à peu près 7 enseignants, donc à l'occasion de peut-être 5 fois à l'hiver et au printemps pour mettre sur pied du matériel. En fait, on va faire des nouvelles SAE, donc des pré-tests en fait pour l'histoire secondaire 4. Mais on s'en reparle à la prochaine après-cours, ça a recommencé notre travail. Mais oui, ça ressemble pas mal à ça. Merci Catherine. De rien. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager comment ça se passe dans leur milieu? Ben, moi, je pourrais te donner un portrait. Normalement, ça aurait dû être Alexandra qui aurait pu le dire, mais justement, elle est tellement sollicitée que là, il y a même possibilité qu'il y ait d'autres personnes qui se joignent à l'équipe d'Univers Social, notamment pour ce qui est de Rivière-du-Nord. C'est dans les cartons. Il y a Seigneurie des Mille-Îles, il y a un cours de citoyenneté numérique qui est en train de se mettre en branle. C'est sûr que les jours qui devaient être attribués à ce cours ou les périodes de cours qui devaient être attribuées, bien là-bas, eux autres sont avec la FAE, donc ils sont en contexte de grève. Donc, on ne sait pas encore exactement quand le cours va pouvoir être offert. Par contre, le prof est bien emballé par le contenu, donc on est en train d'y travailler. Sinon, il y a aussi le cours de géographie culturelle que j'avais partagé. Que j'avais un peu parlé il y a quelques rencontres, qui est en train de se mettre en place à Haute-Laurentide. Puis, bien, visiblement, là, les élèves qui le suivent, donc, tu sais, c'est justement un cours de manière un peu individuelle. Les élèves qui le suivent semblent vraiment l'apprécier. L'autre chose aussi, c'est qu'étant donné comme un élément qui est collaboratif, qui est comme un peu complémentaire, si on veut, qu'on le fait en francisation, et ça aussi, c'est en train de voir le jour.
Donc là, on a des enregistrements de gens en francisation qui nous expliquent leur situation géographique, qui vont justement nourrir le contenu de cours de géographie culturelle. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis, ben, jusqu'à présent, ça rapproche le monde. T'sais, les commentaires qu'on a, c'est justement des gens de Haute-Laurentide, donc notamment Mont-Laurier, qui apprennent à connaître un peu plus et à s'ouvrir un peu plus sur le monde. Donc, c'est très intéressant comme effet collatéral. Voilà pour ce qui est de Merci mon Jean-Félix. côté. Est-ce que les cours de citoyenneté numérique et de géographie culturelle, c'est considéré en fait comme des cours optionnels ou des unités d'univers social? Ben pour ce qui est de géographie culturelle, ça a été ça un peu la chose qui était complexe pour l'instant. Puis là, il faudrait demander à Marie-Hélène Girouard si on peut officialiser la chose ou pas. C'est ça qui était un peu compliqué, là, c'est que c'est dans les cartons de développement de contenu. Nous, on le fait selon une appellation de contenu de cours maison. Par contre, la géographie culturelle, par le cours de citoyenneté numérique, pardon. Celui-là, il peut entrer un peu partout, là. Il peut entrer autant dans les cours de développement personnel qu'entrer en informatique. Donc, à Haute-Laurentide, qui l'ont donné, eux autres, c'est plus en développement personnel, alors que justement, à Seigneurie-des-Mille-Îles, eux autres, ils l'ont plus mis selon un contenu de cours en informatique. Dans les deux cas, je pense que c'est des cours qui sont assez importants. Un pour l'ouverture, justement, sur la culture générale dans le monde. Et l'autre, définitivement, puis encore plus que jamais, on en parlait tout à l'heure, avec l'intelligence artificielle, ça va être important d'avoir une certaine considération là, de notre hygiène numérique. Voilà. Tout à fait. Merci Jean-Félix. Mais sinon, on a Joanne et Alexandre. Est-ce que vous vouliez partager comment ça se passe dans vos centres? Oui, donc moi, à Laval, pas de nouveautés. Cette année, tous les cours se donnent encore, donc autant monde contemporain que éducation financière et les nouveaux cours d'histoire. Les enseignants, donc, utilisent encore le même matériel, c'est qu'on a développé là, depuis 2 ans. Donc, en ce moment, là, je pense que côté matériel, là, ça va bien parce que c'était une appréhension hein, avant l'arrivée du programme, entre autres, en histoire. Mais finalement, cette appréhension-là a vraiment parti quand ils ont vu qu'ils étaient entre de bonnes mains. Donc, il y a eu beaucoup de matériel, étonnamment, même en début, tu sais, de programme. Non, moi, je réfléchis, tu sais, à vous entendre, puis je me dis, je pense que peut-être l'heure serait au constat ou je vais peut-être cette année faire sortir des statistiques, justement, de dire, parce qu'effectivement, je ne suis pas au courant de, entre autres, histoire depuis notre implantation du nouveau programme. Est-ce qu'il y a le même nombre d'élèves qui s'inscrivent en histoire? Parce que des fois, on avait comme un doute. On se disait, est-ce qu'ils vont plus aller vers monde contemporain puis éducation financière pour aller chercher leurs 4 crédits? Puis aussi, au niveau des réussites, au niveau des taux d'échec, j'ai 0,00 donné. Puis là, je me dis, ouais, je pense que là, ça se pourrait être bien. T'sais, à l'année 1, c'était peut-être pas super pertinent parce que là, on démarrait tout ça. Mais cette année, fait peut-être que dans le prochain après-cours, j'arriverai plus avec un constat un peu plus clair. Je pense que ça pourrait nous outiller pour justement voir. Des fois, c'est là qu'on peut sortir les besoins. De dire, OK, voilà où est le petit bobo là, en ce moment. Parce que là, en ce moment, les enseignants sont quand même assez autonomes. Mais il faut dire qu'à Laval, on n'en a pas beaucoup, là. J'ai peut-être juste 5, 6 enseignants là, qui enseignent l'univers social. Puis, il n'y a pas de groupe, c'est pas magistral, c'est vraiment tout le temps en individuel. Fait que des fois, il y a un, deux élèves, t'sais, des fois par enseignant. Fait que c'est sûr que les statistiques, ce ne sera pas des gros chiffres, mais quand même, justement, ça serait intéressant de savoir le nombre d'élèves qui choisissent donc, puis qui choisissent quel cours parmi l'univers social. Fait que je pense que c'est un peu plus ça vers quoi je vais m'en aller pour faire un peu le portrait chez nous, qu'est-ce que ça dit, pour pouvoir plus quand on arrive aux après-cours, puis quand on a des questions, puis voilà. Fait que j'en suis là dans ma réflexion. Merci. Bien, merci, Joanne, c'est une super bonne idée. Catherine, on pourrait faire ça aussi de notre côté, là, se rasseoir, faire un bilan, voir combien d'élèves ont fait les cours, combien ont réussi, puis en même temps, faire des liens avec tes annexes 29 pour pouvoir sortir des données, peut-être, là, ce serait une bonne idée. Et on vous invite aussi, là, les autres, donc, que vous soyez enseignants ou conseillers pédagogiques, si vous voulez vous faire un bilan personnel, là, de l'avancement de vos élèves en histoire,
puis nous proposer ça le 13 février lors du prochain après-cours. Ça serait intéressant de pouvoir comparer puis voir en fait s'il y a une tendance au niveau des cours d'histoire. Merci, Joanne. Alexandre, est-ce que vous vouliez partager comment ça se passait dans vos milieux? Je vais faire écho à Mme Goulet. Les cours se donnent. Nos enseignants sont de nouveau avec 6 mois d'expérience à 35 ans d'expérience. Donc, ça va bien de ce côté-là. Comme vous disiez, Mme Lapré et M. Pinchot au début, j'ai aussi le chapeau de conseiller pédagogique en sciences. Et la pensée critique, on va y revenir des fois. Surtout quand on a des élèves qui arrivent avec des casquettes rouges MAGA. Je la trouve un peu difficile, celle-là, des fois. Donc, dealer avec le conspirationnisme en histoire et en science. Oui. Donc, c'est mon objectif et mon cheval de bataille pour 2024, rétablir la pensée critique plus assidue, si on peut dire. Fait qu'on est rendu là au CSSMB de la FGA. Super, merci pour ce partage. N'hésitez pas à consulter nos anciens après-cours aussi, oui. On en a parlé un peu. Donc, aujourd'hui, je vais faire la suite du dernier après-cours, que je vais revenir sur la pensée historienne, mais on avait parlé, puis il y a certains outils peut-être qui peuvent vous être utiles. Mais pour l'ensemble des enseignants et conseils pédagogiques, n'hésitez pas aussi à faire appel au Carrefour FGA. On peut venir vous accompagner dans vos milieux. Merci. Merci Alexandre. Christine est de retour. Est-ce que ça fonctionne bien de votre côté? Est-ce que vous voulez nous partager comment ça se passe dans vos milieux? Moi, c'est sûr que j'ai une enseignante seulement qui enseigne histoire et monde contemporain. On pensait pouvoir faire en mode synchrone à un hors-centre plus au centre des élèves, mais ça n'a pas eu lieu. Avec les moyens de pression, ça a ralenti un petit peu nos objectifs. Mais sinon, ça semble très bien aller. Oui. Parfait. Merci, Christine. Donc, je pense qu'on a fait le tour des gens qui étaient avec nous. Avant de passer au prochain point, je veux juste vous mentionner que de mon côté, je vais travailler aussi sur monde contemporain cet hiver. Donc, Alexandra a déjà commencé un Padlet, donc un peu comme le matériel que moi je propose en histoire, alors de proposer, en fait, c'est quoi le contenu essentiel de chaque dossier des cours d'histoire? Eh bien, avec Alexandra, on va monter un peu la même chose pour monde contemporain. Puis l'outil que je vais vous proposer aussi aujourd'hui est en lien avec monde contemporain. Donc, je pense que d'ici au moins mai, on va avoir des outils à vous proposer pour ce cours-là. Et je pourrai aussi faire un retour donc sur le matériel qui va avoir été réalisé en CAP. Et aussi, je vais participer à des formations sur la pensée historienne cet hiver. Donc, je vais peut-être avoir des activités à vous proposer lors des deux prochains après-cours. Donc, pour aujourd'hui, en fait, je voulais faire un petit retour sur la pensée historienne. Donc, on en avait parlé la dernière fois. Tout d'abord, en fait, si vous voulez partager, qu'est-ce que vous vous rappelez donc de ce qu'est la pensée historienne? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a gardé quelque chose du dernier après-cours ou qui s'est informé davantage depuis? D'après vous, c'est quoi la pensée historienne? Oui, Christine? Ça semble vraiment loin, mais si je me rappelle en gros, c'est de considérer tous les aspects avant de poser une réflexion sur une question concernant l'histoire. C'est-à-dire qu'on peut pas, on peut avoir des biais comme... comme personne, par exemple, allochtone, puis c'est une question qui porte sur les Autochtones. Donc, il faut aussi considérer l'ensemble de tous les aspects avant de poser une réflexion ou de donner une réponse. Merci, Christine. Est-ce que quelqu'un d'autre voulait tenter une réponse? Bien, moi, je le voyais en lien avec la méthode historique, donc un peu l'application de la méthode historique. Mais dans une perspective d'analyser des documents, de comprendre les réalités passées. Mais c'est ça, avec l'aspect de réfléchir, de trouver les sources, de comprendre, d'avoir un aspect critique aussi par rapport aux informations qui nous viennent des historiens ou des documents du passé, là. Oui, tout à fait. Bien, merci, Catherine. En fait, on en avait parlé la dernière fois en justement en se questionnant en,
à savoir c'est quoi la différence entre une pensée et une méthode. On utilise le terme historique ou historien, là, on en avait parlé la dernière fois, donc ça se peut, par exemple, dans le programme, on va retrouver historique, mais les didacticiens s'entendent davantage sur le terme historien. Donc, c'est simplement parce que la méthode, en fait, ne s'inscrit pas dans un contexte historique, mais c'est plutôt un outil au service des historiens. Donc, c'est pour ça qu'on peut privilégier le terme historien. Par contre, ici, j'ai mis historique. Donc, on ne s'attardera pas là-dessus, mais en fait, oui, justement. En fait, la pensée, en fait, regroupe la méthode et une perspective. Donc, c'est ce que Christine parlait, justement, c'est d'avoir un regard, d'avoir un temps d'arrêt pour développer un jugement critique face à ce qui nous entoure, face aux documents, comme Catherine le dit, face auxquels on va se retrouver en contact. Dans le fond, nous, dans le programme, on va surtout retrouver notre méthode historique qui fait en sorte que l'histoire, c'est une science, comme justement Alexandre en parlait. Eh bien, on va avoir une méthode, une démarche sur laquelle on va s'appliquer, par exemple, face à des documents. Ça va être quoi les types de questions qu'on va se poser? Comment est-ce qu'on va bien comprendre notre question? Est-ce qu'on va mettre en place des hypothèses? Donc, ça, c'est notre démarche qui fait partie de la méthode. Alors que dans la pensée, on a aussi la perspective qui est le jugement, la perspective qu'on va avoir face aux réalités du passé, donc de faire preuve d'empathie, d'éviter tout ce qui est forme de présentisme, donc de regarder le passé avec nos propres valeurs, mais plutôt de comprendre la complexité du passé, faire preuve de jugement éthique, donc de voir l'aspect moral, de questionner les valeurs de l'époque. Ça peut aussi être vraiment au niveau d'être capable d'avoir un regard sur tout ce qui est changement, continuité, cause, conséquence. Eh bien, justement, donc, je vous rappelle ici le tableau. N'hésitez pas là, à revenir dans l'après-cours pour consulter davantage ce tableau. Mais ça vous montre un peu que la pensée historienne ou historique, peu importe selon quel didacticien, elle va souvent être regroupée à nos opérations intellectuelles. Et c'est surtout à ce niveau-là qu'on va le travailler avec nos élèves. Parce que on se posait la question... Si on travaille la méthode, comment est-ce qu'on peut davantage travailler la pensée, donc la perspective qu'on va avoir avec nos élèves? Parce que tout ce qui est complexité, moralité, jugement critique, perspective, empathie, tous ces concepts-là, c'est difficile de les avoir avec nos élèves quand ils travaillent de façon individuelle dans leur cahier. Mais dans le fond, on a déjà un indice avec le programme d'histoire où les opérations intellectuelles nous permettent quand même de toucher certains aspects de cette pensée historienne-là, par exemple. Donc, à gauche, on a les opérations intellectuelles, mais ensuite, on retrouve trois exemples de didacticiens qui ont proposé une pensée historienne ou historique. Et donc, situé dans le temps et dans l'espace, va se répercuter dans mettre en perspective temporelle ou périodiser selon Jean-Louis Jadoul. Alors que si on descend un peu, là, établir un fait et mettre en relation des faits, eh bien, ça va être d'identifier des acteurs, leur rôle, de faire appel aux sources, à interprétation, puis de réfléchir sur les sources, comme le proposent les différents chercheurs. Par contre, on voit dans notre catégorie, dans nos dernières colonnes, qu'il y a quand même certains aspects qui ne sont pas travaillés. Et c'était là que je vous emmenais peut-être à réfléchir. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour travailler ces dimensions-là avec nos élèves si on n'a pas d'opérations intellectuelles qui sont ciblées et si souvent nos élèves travaillent individuellement? Je vous rappelle donc, en fait, les différentes dimensions qui ne sont pas touchées par les opérations intellectuelles. On a dégagé la pertinence historique, prendre en compte la complexité de l'histoire, percevoir la dimension morale, donc le jugement éthique, prendre une distance critique par rapport aux interprétations, donc c'est de percevoir toutes les différences de perspectives. Puis on en parlait un peu tantôt avant la rencontre, face au jugement complotiste qu'on peut retrouver parfois dans nos classes, comment est-ce qu'on fait pour bien expliquer les choses? Bien, c'est parfois en expliquant correctement les différents point de vue qui existe et pas seulement se positionner de notre point de vue occidental, mais aller voir comment les autres réfléchissent, c'est quoi les points de vue des autres sociétés qui peuvent être en conflit en ce moment. Et finalement, faire preuve d'empathie historique, donc c'est d'éviter en fait de... C'est de bien comprendre ce qui s'est passé à l'époque, mais pas avec nos valeurs actuelles, mais plutôt en réfléchissant aux valeurs des gens à l'époque. Et aujourd'hui, donc, pour conclure cet aspect-là donc, des après-cours, bien, je vous proposais donc de réfléchir à comment travailler cette pensée historique-là en classe. Ce qui avait ressorti la dernière fois et depuis ce qui a ressorti dans les différentes discussions que j'ai eues, par exemple, dans des formations du Carrefour FGA,
C'est d'avoir des discussions avec nos élèves. Même s'ils travaillent de façon individuelle, rien ne nous empêche de faire des ateliers de 15 minutes un vendredi matin ou un vendredi dernière période, d'arrêter nos élèves et de discuter un petit peu avec eux, voir donc qu'est-ce qu'eux, ils comprennent de ces concepts-là. Est-ce que ils ont un regard différent face à certains faits historiques ou face à certains faits d'actualité qui se passent en ce moment? Donc, leur expliquer c'est quoi l'empathie, la moralité, la pertinence historique, l'interprétation, de discuter avec eux, soit en atelier comme ça, ou ça peut être simplement individuellement avec notre élève qui fait de l'histoire, on s'assoit au bureau puis on en discute avec lui, de l'emmener à avoir conscience de ces concepts-là, bien, ça va l'aider à développer cette pensée historique. Maintenant, je prends ça au vol. Parmi les contenus qu'elle disait, quand on parlait notamment de l'intelligence artificielle, j'en parlais tout à l'heure avec mes collègues, mais une des choses que je trouve aussi intéressante suite à la conversation qu'on a eue, je l'ai trouvé en passant un site qui nous permet de pouvoir avoir accès aux nouvelles du monde. Je ne sais pas si je peux me permettre de faire un partage d'écran. J'imagine que ça a dû nous quitter. Mettons, je vous partage ça justement pour avoir une opinion critique. Si vous regardez ça, c'est un site qui s'appelle newspapermap.com qui nous permet d'avoir les journaux d'un peu partout sur la planète en temps réel. Puis dans la partie de côté ici, vous pouvez choisir quelle langue que vous voulez avoir. Donc, en ce moment, en plus, avec les outils de traduction simultanée, on est capable de pouvoir voir pas mal tout. Mais tu sais, exemple, justement, qu'est-ce qui se passe dans la région de l'Israël? On peut aller dans ce coin-ci, puis là, on peut voir. Je ne suis même pas dans la bonne région. Non, on est ici, plus dans la région de l'Israël. Donc là, on peut voir, regarde, c'est un journal Gazaoui. Puis on peut aller regarder qu'est-ce qui est interprété. Puis là, tu vois-tu, là, il est en anglais et en temps simultané, on est capable de voir la traduction qui est en train de se faire. Donc, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là de pouvoir aller chercher en temps réel peut-être les vraies nouvelles, à défaut d'avoir une interprétation peut-être un peu biaisée et très occidentale. Puis, l'autre chose, elle parlait tout à l'heure d'éléments culturels. Je nous ramène à un élément que j'ai toujours trouvé fascinant. C'était le site Radio OO, donc avec 5O.com, qui nous permet de pouvoir écouter la musique de différentes époques, donc à travers le monde et à travers différentes époques. Donc ça aussi, c'est un élément qui, sans trop s'en rendre compte, ça peut être intéressant de savoir qu'est-ce qu'on écoutait en Russie en 1910, un peu à l'époque pré-bolchévique, si on veut. Donc à ce moment-là, on a la banque du temps, puis on est capable de sélectionner à travers le monde qu'est-ce que les gens écoutaient dans une perspective historique. Donc, c'était juste des éléments complémentaires en attendant que Sarah complète comment travailler la pensée historique. Je ne sais pas si elle est de retour parmi nous, Richard. Oui, je voulais... ça fait un beau rafraîchissement, là, Sarah. Là, j'étais plus certaine entre la pensée puis la méthode. Fait que là, c'est plus clair pour moi. Mais entre le mot historique puis historienne, ça, c'est parce que c'est selon les auteurs. On les considère plus comme synonymes qu'on dise la pensée historique ou historienne. Ça revient, on parle du même concept? Oui, tout à fait. On parle du même concept. Mais en réalité, c'est que les didacticiens, donc les chercheurs en éducation, vont, eux, recommander l'utilisation du terme historien, mais ça n'a pas été retenu par les programmes. Donc, les programmes vont utiliser le terme historique, même si les chercheurs, eux, recommandent le terme historien. Mais ça ne change rien. Donc, on peut utiliser les deux. C'est simplement peut-être juste d'avoir en tête... quel impact ça peut avoir le vocabulaire qu'on utilise. Donc, de faire attention d'utiliser le bon vocabulaire. Mais nous, tu sais, c'est sûr qu'on n'ira peut-être pas jusque-là avec nos élèves, mais de déjà avoir une réflexion face à ça, bien, c'est sûr que ça nous aide à avoir en soi un meilleur jugement critique puis avoir donc une petite réflexion face à ça. Super, merci. Donc, je suis en train de me joindre en même temps sur l'ordinateur. Est-ce que... Non. Non. Je pense que ton sel est plus fiable que l'Internet de ton centre. Je pense que c'est ça. Donc, je vais rester avec le cellulaire en même temps. Donc, je vais juste dire à mon ordinateur de rester sur mute.
OK. Alors, on va continuer comme ça. Puis je reprendrai le partage tantôt. Mais donc, pour terminer cette diapo, ben, je m'en allais dire justement, Jean-Félix, que Jean-Félix allait discuter d'intelligence artificielle, voir de quelle façon est-ce qu'on peut confronter nos élèves puis les amener à avoir justement une réflexion face à leur propre interprétation de l'histoire. Surtout parce que les intelligences artificielles, eux, vont souvent avoir une absence de tout l'aspect moral qui peut découler de nos propres valeurs et vont souvent éviter de faire du présentisme. Donc, le présentisme, je vous rappelle que c'est l'inverse de l'empathie historique. Le présentisme, c'est le fait de juger le passé avec nos propres valeurs. En fait, pour clore avec la pensée historique ou historienne, je vais vous proposer en fait quelques pistes. Tous les liens sont cliquables, donc vous y avez accès dans le clavardage. Tout d'abord, en fait, puisque la majorité du temps, les enseignants en histoire sont combinés avec les tâches en français, ça peut arriver que vous soyez en maths ou en sciences, mais la plupart du temps, on se retrouve en français, bien, c'est peut-être une bonne occasion, en fait, de travailler la littérature, le roman historique et les mémoires, en fait, avec nos élèves. Moi, ce que je vous propose, en fait, par la Fondation Azrieli, donc le premier point, c'est donc de travailler, en fait, les mémoires des survivants de l'Holocauste. J'ai découvert en fait cette fondation-là lors du congrès de la Société des profs d'histoire. Vous pouvez commander gratuitement plus de 40 ouvrages traduits en français. C'est des mémoires en fait de victimes de l'Holocauste qui ont soit migré au Canada qui ont des contacts en fait ou de la famille au Canada et ils ont donc écrit leur mémoire et ils sont publiés par la Fondation Azrieli et on peut les commander gratuitement. Donc c'est vraiment merveilleux d'avoir des livres gratuits. Vous pouvez cliquer sur le lien si vous voulez aller jeter un coup d'œil à la collection et vous pouvez faire une commande avec le nom de votre école tout simplement puis vous allez recevoir les livres. Si vous enseignez le français, bien, les cours, c'est sûr qu'il faut avoir des romans qui ont été écrits en français à la base. Eh bien, moi, dans la collection que j'ai reçue, j'en avais deux qui avaient été écrits en français qui n'avaient pas été traduits. Mais les autres ouvrages, même s'ils sont traduits, bien, c'est quand même des bonnes sources d'informations, puis ça aide quand même nos élèves à bien comprendre le contexte, puis à développer justement cette pensée historienne-là, à pouvoir se mettre à la place des victimes du passé, à voir en fait comment ils ont vécu le fait historique, comment est-ce que les valeurs de l'époque ont pu influencer, ou donc quelles étaient les causes et conséquences que ces faits-là ont eu dans l'histoire, bien, par les mémoires, c'est une super bonne façon de développer ces dimensions-là de la pensée historique. Par la suite, en fait, je vous propose certains outils. Donc, c'est Sack Tim Hortons. Eux, ils ont développé donc une pensée historique développée en 6 dimensions qui sont donc dans mon tableau précédent. Si je recule, c'est Sack Tim Hortons, c'est la dernière colonne. Donc, les 6 dimensions, il y en a 3 qui font référence aux opérations intellectuelles et on en a 3 autres. Donc, réfléchir sur la pertinence historique, réfléchir sur la dimension éthique et réfléchir sur la perspective historique. Eh bien, en fait, c'est Sack Tim Hortons. Vous pouvez acheter le livre qui vient avec un CD, mais sinon, il y a aussi des outils en ligne, si je ne me trompe pas. Et donc, ils vont vous proposer, en fait, différentes activités qui peuvent être faites, mais aussi, en fait, ils vont proposer des étapes. Donc, par exemple, pour cause-conséquence, voici les 6 choses que vous devriez travailler avec vos élèves. Donc, pour chaque dimension, ils ont vraiment fait l'étude de caractériser ces dimensions-là pour nous aider à mettre en application ces choses-là dans nos classes, que ça soit, c'est sûr que la plupart du temps, ces études-là sont faites pour le secondaire, donc la FGJ, mais ça peut très bien s'appliquer donc dans notre approche avec nos élèves. Par la suite, on a le musée de l'histoire, donc en fait, je vais l'ouvrir. Le Musée canadien de l'histoire va offrir une zone pédagogique où on peut travailler la pensée historique à partir de l'usage de sources primaires. Donc, en fait, l'usage de sources primaires, c'est exactement ce qu'on emmène notre élève à faire avec un dossier documentaire. Eh bien, vous allez avoir plusieurs activités qui vont vous emmener à travailler, par exemple, ici, la pertinence historique. Vous allez avoir du matériel, des documents, des extraits. Alors, n'hésitez pas à aller faire un tour sur les outils qui sont proposés. Si je reviens ensuite, on a la communauté de pratique sur la pensée historique. Eh bien, c'est ce que je vous ai parlé tantôt. Donc, la formation que je vais suivre cet hiver. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil si ça vous intéresse. Donc,
La communauté de pratique, en fait, c'est avec des didacticiens comme Catherine Duquette qui travaille avec l'Université de Chicoutimi, où donc du matériel va être conçu sur la pensée historique. Et donc, je vais pouvoir vous partager le matériel qui va en sortir, mais n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil par vous-même sur la plateforme. Historical Thinking Project, donc ça ici, eux se sont basés sur ces Sacks et Martin et proposent donc, la plateforme est en anglais, mais moi, elle se traduit automatiquement, donc vous pouvez ajouter Google Translate pour que ça se fasse. Et donc, vous avez du matériel qui est proposé. Lorsque c'est PDF, la traduction ne se fait pas, mais parfois, il y a du matériel qui sont disponibles directement sur la plateforme. Puis même, justement, des explications des différentes dimensions de la pensée historienne, historique. Donc, par exemple, si je vais voir ici, modèle. Donc, on vous explique ici donc, les différentes dimensions de la pensée historienne. Donc, ça peut quand même vous donner accès à des ressources qui peuvent vous aider à le mettre en application dans vos classes. Et finalement, la Critical Thinking Consortium, eh bien, justement, Catherine Duquette, la didacticienne de Chicoutimi, travaille avec ce groupe, qui est donc un groupe, en fait, à l'échelle du Canada. Donc, c'est avec aussi les provinces anglaises où ils réfléchissent à comment mettre en application la pensée historienne en classe. Et ils vont proposer, en fait, des jeux, par exemple, des jeux cartes qui peuvent être commandés pour travailler des faits historiques, travailler, par exemple, remettre en ordre chronologique ou travailler la pertinence historique. Donc, l'élève doit sélectionner les cartes qui, pour lui, sont le plus pertinentes ou bien de remettre, en fait, d'un côté les causes, de l'autre côté les conséquences ou ce qui est un progrès ou ce qui est un déclin. Donc, c'est plusieurs façons de travailler la pensée historienne et la Critical Thinking Consortium va aussi offrir du matériel en ligne qui sont téléchargeables. Alors, voilà, donc c'était pour faire le retour, en fait, sur la pensée historienne. Est-ce que sinon, vous, de votre côté, vous aviez d'autres idées ou si vous aviez donc recherché de votre côté depuis le dernier après-cours, on ne sait jamais. Donc, est-ce que vous pensez qu'il y avait d'autres façons de travailler la pensée historienne avec vos élèves? Dans le clavardage, Joanne qui nous dit que la pensée historique me fait penser au film « Le procès du siècle » faisant référence au négationnisme. Super, Joanne, est-ce que tu voulais nous en parler? Oui, effectivement, je suis tombée là-dessus il y a quelques jours, puis ça en parlant là, avec ta diapo, là, le site de la Fondation des survivants de l'Holocauste, et c'était vraiment la thématique là, du film, un film américain là, qui reprend vraiment, là, c'est tout le procès là, qui est fait là, entre un historien qui remettait en cause, donc l'Holocauste n'avait jamais existé. Et que finalement, la dame était amenée en cour, puis elle devait défendre, puis elle devait prouver que ça avait été existé, ce qui était carrément absurde. En tout cas, je ne connaissais pas très bien le mouvement du négationnisme, mais en tout cas, le film, je trouvais que c'était un peu à l'ère du temps, là, où on parle de fake news, puis d'aller valider nos preuves, puis que même malgré qu'on a des preuves, comment prouver la preuve? En tout cas, c'était... C'était fort intéressant. Fait que si jamais vous avez la chance d'écouter ce film, je pense que ça pourrait être intéressant des fois pour justement la pensée critique, puis de voir qu'il y a souvent les deux côtés de la médaille, puis de voir comment à quel point il y a des gens qui, là, bien entendu, c'était l'extrême, là, hein, c'était extrémiste, mais à quel point il y a des gens qui ont une pensée vraiment contraire. Et puis, comment ils vont se dépatouiller justement là, pour prendre la place publique et prendre de l'ampleur. Donc, je trouvais, même si ça date, c'est pas récent comme film, je croirais pas, là, peut-être 2015, 2016, 2017, dans ce coin-là. Puis, mais je trouve qu'en 2023, je trouvais que ça prenait encore plus tout son sens. Fait que je voulais juste faire un petit coucou à ce film. Voilà. Merci, Joanne. Ça me fait penser. Eh bien, Richard dit que le film est bouleversant et très puissant. Mais moi, ça me fait penser au film, c'est parce que j'essaie de trouver le titre, mais je ne le retrouve pas, sur Netflix. C'est un film qui est sorti, je crois, l'année dernière, sur combien vaut une vie dans des attentats du World Trade Center. Donc, tu sais, ça nous emmène à voir comment les gens ont réfléchi à l'époque, c'est quoi les décisions qui ont été prises pour savoir quel était le montant qui serait attribué
pour chaque victime, donc pour les familles des victimes du World Trade Center, ben justement, développer notre empathie historique, avoir faire preuve de jugement, voir les différentes perspectives, ben ce film-là nous emmène aussi à le faire. Mais merci pour ta proposition, Joanne. Je l'ai pris en note, puis c'est sûr que je vais essayer de retrouver ce film-là. J'ai une idée, Sarah. Oui? Ça pourrait faire partie des compétences transversales facilement, je trouve, la partie Ben oui. historienne. Ben oui, tout à fait. Facilement. Surtout, Ouais. ben c'est en lien aussi avec, ben je crois que jugement critique fait partie des Ouais, compétences mais transversales. plus encore, tu sais, Ben oui. on pourrait l'ajouter. Ben oui, je suis tout à fait Ben, d'accord. dans les éléments de compétences transversales, il y a aussi toute l'organisation du travail, se donner des méthodes de travail. Donc, tu sais, justement, avoir une méthode de pensée Oui. historique ou de validation de données. Donc, tout ça peut entrer en ligne de compte. Oui, tout à fait. Et tu sais, on ne sait jamais, en fait, les programmes avant la réforme, ben, en fait, avant la dernière réforme, là, mais tu sais, les programmes au début des années 2000 laissaient une plus grande place à toute cette perspective-là. Il y avait une troisième compétence, en fait, en histoire, qui était vraiment donc de développer un jugement, une perspective historique. Mais bon, elle a été un peu exclue, puis elle a été ajoutée avec les opérations intellectuelles. Mais on voit donc qu'il manque un petit quelque chose. Qui nous demande à nous, en fait, de faire un effort, de discuter avec nos élèves, puis de les emmener justement à développer ces compétences-là. Aujourd'hui, ben, donc, pour terminer, je n'aurai pas la chance de faire le tour de tout ce que je voulais vous proposer, mais je peux juste vous proposer mon premier outil, puis on poursuivra la prochaine fois. En fait, je voulais vous proposer deux outils, en fait, qui peuvent être utilisés en univers social, Miro et de l'autre côté, les murs collaboratifs comme Padlet et la Digitale, mais on travaillera donc Padlet et la Digitale la prochaine fois. Alors, Miro, en fait, c'est une plateforme en ligne qui est gratuite, qui nous permet de créer des cartes conceptuelles, donc des organisateurs graphiques, des espaces de travail collaboratifs. Il y a vraiment, en fait, une multitude de choses qu'on peut faire avec Miro. C'est un espace de travail infini. Ça veut dire que sur la plateforme, quand on rouvre une page de travail, on peut donc dézoomer, on peut zoomer, puis on va avoir de l'espace, en fait, on pourra rajouter à l'infini des choses dans notre plateforme. Fait que moi, tu sais, je sais qu'il faudrait peut-être pas que je fasse ça, mais là, j'ai une page Miro dans laquelle j'ai mes centaines de graphiques pour toutes les activités que je fais en univers social. Bon, faudrait pas que je le perde, mais c'est sûr que je les ai téléchargés pour les mettre dans mes documents de SAI, mais bon. Sauf que ça nous montre quand même qu'on peut en rajouter à l'infini et on peut donc travailler de façon individuelle, mais on peut aussi travailler de façon collaborative parce qu'on peut partager le lien et travailler en temps direct avec d'autres personnes grâce à Internet. Donc, ça veut dire que je pourrais ouvrir une page, puis Jean-Félix pourrait écrire de son côté et je verrais apparaître automatiquement ses modifications. Et l'enregistrement est automatique. Donc, en fait, vous n'avez pas à réfléchir, à cliquer sur enregistrer. Tant que votre connexion Internet est fiable, ça s'enregistre de façon automatique et c'est gratuit. Et Jean-Félix me disait en fait que le côté, donc c'est. Bien, Jean-Félix, est-ce que tu veux le dire? Ah ben écoute, moi c'est un outil que je préconise et valorise énormément auprès de mes enseignants dans une posture un peu plus collaborative, justement. Une des méthodes que nous, on utilise avec mes profs, notamment, là, on a beaucoup de CP autour de nous, là. Donc, une des choses qu'on fait, c'est quand on cerne une problématique, on la met dans le milieu du Miro, mais je demande à mes collaborateurs, collaboratrices, de prendre chacun un coin puis d'y déposer toutes les ressources qu'ils considèrent pertinentes. Donc, tu sais, il y a comme un premier travail, un premier tri que les gens individuellement vont faire, puis par la suite, on passe en mode plénière. Donc, c'est-à-dire que chacun va présenter le matériel ou les ressources. Puis ce qui est le fun, c'est que c'est vraiment juste du copier-coller. Donc, tu sais, quand vous avez un Genially copier-coller, le Genially consultable directement dans le Miro, vous avez un Google Doc copier-coller, fonctionne dessus, un hyperlien web copier-coller, fonctionne dessus. Donc, c'est vraiment super intéressant, c'est très intuitif, on peut utiliser des post-it, toutes sortes d'outils vraiment stimulants. Je pense qu'on a un exemple dans quelques instants, mais la méthode de travail qu'on a développée est vraiment efficace, c'est-à-dire que on ouvre un nouveau dossier de collaboration, ça permet aussi d'aller creuser toute la réflexion antérieure que chacun des personnes, des collaborateurs, dans le fond, peut aller chercher. Donc, en gros, des petits temps de plénière, et quand une personne ou le groupe dit, ah, ça, c'est un matériel qui est pertinent, on le met dans le milieu, on arrive à la deuxième personne, ça, c'est pertinent, on le met dans le milieu, et ainsi de suite. Puis après ça, on peut élaguer tout le reste du matériel qui est superflu, et là, on peut commencer à travailler. Là, on a la contribution
toutes les ressources que chaque personne a. Et là, on a une tête commune pour pouvoir partir plus loin. Donc, moi, c'est vraiment une méthode de travail qui est très efficace sur des sujets qui sont souvent très, très poussés. Puis c'est quand même rapide d'après ça de pouvoir faire, bon, ben, regarde, toi, occupe-toi de tel dossier, toi, occupe-toi de tel dossier. On voit rapidement c'est quoi les forces et les compétences de chacun. Merci, Jean-Félix. Et justement, si vous créez un compte en mode éducation, vous allez pouvoir ouvrir en fait plusieurs pages différentes sur votre compte et c'est gratuit. Si vous ne C'est vous mettez pas en mode... important. Oui, c'est ça, parce que si vous ne mettez pas en mode éducation, vous allez être limité dans le nombre de pages que vous pouvez ouvrir et dans lesquelles vous pourrez collaborer. Ouais, et j'ajouterais juste au niveau de la complexité, c'est que si vous ne créez pas votre compte avec une adresse courriel d'un centre de services scolaires et que vous ne faites pas cette démarche-là au départ, après ça, de pouvoir changer le plan, ça va être un peu compliqué. Un peu à la même façon que le WooClap, là, tu sais, donc de faire la bonne inscription, je vous l'ai mis dans le chat. Donc, comment est-ce que vous pouvez avoir accès au forfait éducation? Là, ça devient, vous avez un nombre pratiquement illimité là, de tableaux, puis ça se partage à vos élèves. Donc, c'est vraiment extraordinaire à ce niveau-là. C'est Oui, gratuit. merci Jean-Félix. Si vous regardez à l'écran, donc j'ai mis quelques exemples justement de ce qui se retrouve dans ma super page où tout est condensé. Ben, vous voyez un peu qu'en histoire, on peut faire donc des graphiques, par exemple les structures politiques. Donc ici, on a sous l'Arc d'Union. On peut faire donc des listes. Par exemple, ici avec la séparation des pouvoirs entre le fédéral et le provincial. On peut faire des lignes du temps. Ici, vous en avez une qui est un peu... bizarre, là, mais je veux dire, vous pouvez en faire aussi des beaucoup plus simples. Ici, c'est sur le peuplement de l'Ouest canadien. Et vous pouvez faire aussi des schémas comme notre compétence 2 dans nos évaluations en histoire, où l'élève va devoir aller remplir le schéma. Vous pouvez en fait vous construire une page dans laquelle vous avez ce schéma-là et vous le partagez avec votre élève et l'élève, lui, doit aller répondre de façon numérique et vous allez voir apparaître ses réponses. Moi, je le fais, par exemple, en français avec certains élèves. Je vais leur faire la structure du plan narratif, puis je vais leur demander d'aller répondre, puis d'aller rentrer leurs données dans le document Miro. Et ensuite, moi, avec mon ordinateur, je vais voir apparaître leurs réponses. Donc, en FAD, par exemple, ça peut être une super belle façon de travailler, puis de voir en direct le travail de nos élèves. Puis ensuite, surtout en plus, on reçoit souvent des notifications quand il y a des personnes qui ont travaillé dans notre document collaboratif. Je vais vous inviter à l'expérimenter. Alors, vous allez avoir un lien qui va apparaître dans le clavardage sur lequel vous allez pouvoir cliquer. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi le scanner, donc le code QR avec votre appareil photo. Et vous allez arriver donc sur une page sur laquelle vous allez pouvoir collaborer avec tout le monde ensemble. Alors, Parce que moi, ce j'espère que pouvoir. j'adore le plus de cet outil-là, c'est vraiment toute la polyvalence qu'on a avec la bande de côté. Je Oui, pense c'est que ça. ta bande passante est un peu lente, là, mais Oui. Donc, ça va arriver. oui. Donc, en fait, je vous ai mis une consigne juste pour qu'on puisse pratiquer ensemble en cliquant sur la bulle de consigne, donc qui est notre document. En fait, vous avez juste à cliquer sur le carré principal et vous allez voir apparaître des points bleus tout autour. Donc, ceux du centre, en fait, c'est juste un exemple, mais en cliquant sur notre bulle principale, donc on a des points bleus qui apparaissent tout autour. Et en cliquant, ça va permettre d'apparaître une deuxième bulle dans laquelle on va pouvoir écrire notre réponse. Donc, je vois qu'on est plusieurs personnes. Alors, simplement cliquez sur la bulle principale. Donc, on va voir apparaître, oui. Et, je vois donc qu'il y a des gens qui vont rajouter des post-it. Alors, n'hésitez pas à expérimenter. En cliquant sur la bulle principale, donc, vous pouvez cliquer sur un petit point bleu et ça va faire apparaître donc une deuxième bulle dans laquelle vous allez pouvoir répondre. Dans la marge à gauche, on voit les différentes options qu'on peut avoir. Donc, ajouter des post-it, ajouter des carrés, ajouter des flèches, écrire. Donc, si vous travaillez avec un crayon et une tablette, donc, vous pouvez directement travailler sur la surface de travail. Moi, je me suis fait une carte conceptuelle avec mon crayon. Donc, vous pouvez commenter le travail des gens qui sont avec vous, même donc télécharger. Et en haut, vous avez d'autres options et vous pouvez télécharger le travail qui a été réalisé en version image ou en version PDF, ce qui nous permet en fait de télécharger, par exemple, un graphique et d'aller le copier-coller
dans notre SAE sur lequel qu'on veut imprimer par la suite. Alors, on voit que des gens ont ajouté des choses. Moi, ma consigne, c'était de répondre à la question, selon vous, qu'est-ce que la pensée historienne, finalement, qu'est-ce que vous retenez de l'après-cours d'aujourd'hui? Si je zoome, donc, je vais voir apparaître ici quelqu'un qui a fait un post-it, donc, considérer les différentes perspectives, c'est super, mais n'hésitez pas donc à cliquer sur le carré pour faire apparaître des réponses tout autour, donc je vais en faire apparaître d'autres. Donc, n'hésitez pas à explorer et à expérimenter, mais vous voyez qu'on est plusieurs sur la page qui travaillent en même temps et ça peut se faire en fait à l'échelle de la classe. Par exemple, moi j'ai déjà emmené mes élèves à répondre à une question, c'était sur des stratégies de lecture et les élèves devaient aller ajouter des réponses au tableau, puis je projetais ça sur mon TNI. Mais ça peut très bien se faire en histoire où on demande aux élèves, bon, ben, c'est quoi les causes de la Grande Dépression de 1930? Et là, les réponses vont apparaître au tableau puisque tous les élèves vont le faire à leur place, en direct. Voilà, donc... C'est un outil qui est super cool aussi dans une optique en mode hybride. Donc là, on est à distance, justement, mais on peut le faire autant en classe qu'à distance. C'est ça. Puis, on est capable aussi de verrouiller certains des éléments. Là. En ce moment, tout le monde peut manipuler tes affaires, là, mais on peut verrouiller certaines zones, puis on peut aussi rappeler tous nos élèves à aller dans une zone bien spécifique. Ça aussi, c'est quand même vraiment le fun. Donc, tu te rappelles tout le monde à ton regard, puis là, on peut regarder ça. Donc, superbe outil, mais tu l'as super bien présenté, Sarah. Félicitations. Excellent, tant mieux. Une des choses que moi, je voulais vous présenter, c'est une grande découverte. Tu sais, je passe directement sur la case intelligence artificielle. Betacharacter.ia. Pour ceux qui sont plus ou moins familiers avec l'intelligence artificielle, je vous apprends peut-être quelque chose. Depuis le mois de novembre dernier, c'est une grande explosion. Pas de novembre de cette année, l'année passée. Ça fait un an que c'est quelque chose qui est en effervescence. Et maintenant, on a la possibilité de créer des personnages. Donc, peut-être que vous avez vu ça circuler sur vos réseaux sociaux. C'est bon, parler avec Socrate ou des affaires en même. Mais bon, ce sont des discussions qui sont déjà préenregistrées. Ça, c'est quand même facile. On a plusieurs sites qui permettent de faire ça. Par contre, character.ia, c'est une conversation qu'un élève peut avoir avec un personnage que vous allez entraîner. Et c'est quand même vraiment facile à faire. Vous allez sur character.ia et exemple, là, en ce moment, moi, j'ai commencé à éditer un Louis Joliette. Donc, à travers tout ce qu'on a comme information de Louis Joliette, donc, on donne le descriptif, donc, qui est ce personnage-là, et ainsi de suite. On lui trouve, une image. Donc, là, on s'entend que Louis Joliette, il n'y avait pas beaucoup de Polaroid à l'époque, donc, on n'a pas une vision nécessairement concrète de son image. Donc, je suis allé générer une image approximative de Louis Joliette avec une intelligence artificielle génératrice d'images. Et par la suite, donc là, je lui ai donné des descriptions qui sont basées sur, mettons, Wikipédia. Donc, comme disait Sarah, est-ce que les sources sont fiables ou quoi que ce soit? T'sais, encore là, c'est comment on va le nourrir. Par contre, ce qui est vraiment intéressant, c'est une fois qu'on a tout ça, bon, il y a plusieurs possibilités, notamment de est-ce que tout le monde peut communiquer avec? Est-ce que c'est juste, on peut contrôler aussi comment ce personnage-là va circuler? Mais on peut aussi permettre à le documenter de plus en plus. Donc, l'exemple, moi, j'ai tout copié ce qu'il y avait sur Louis Joliette sur Wikipédia, puis j'ai tout mis ça dans son descriptif. Puis comme vous pouvez voir, je peux en ajouter encore beaucoup plus. Donc, on peut vraiment étoffer le personnage pour qu'il puisse vraiment avoir une articulation puis des contenus. Lorsqu'on a créé ces personnages-là, donc là, je crée une conversation, un chat, puis là, on peut avoir avec qui tu as fait la majorité de tes voyages, tu sais, qui était le gouverneur à ton époque? Point d'interrogation. Et parce que j'ai nourri la conversation et qu'il y a quand même une base d'intelligence, il va me répondre normalement la bonne réponse. Quoi était? Excusez, c'est moi qui ai mal écrit la question. Il n'a même pas écrit la bonne réponse en plus. Bon, ça va pas bien. Ah oui, c'est Louis de Buade, comte de Frontenac. Donc oui, c'est la bonne réponse. Excusez-moi, c'est son nom de famille. Donc, grosso modo, donc il a joué un rôle important en aidant à établir de bonnes relations entre les colons et les peuples autochtones. Il a également défendu la colonie contre les attaques des Anglais. Donc, tu sais, c'est intéressant quand même comme élément parce qu'on peut créer une conversation entre des personnages qui sont réel, tant aussi longtemps qu'on les nourrit de manière intéressante et encore là, comme on disait, de manière peut-être plus historienne
Donc, c'est là où est-ce que, justement, toute ta démarche, Sarah, d'aller chercher des informations crédibles, tangibles et tout ça pour pouvoir encadrer un peu les conversations. La grande différence entre d'autres outils qui nous permettent de faire des enregistrements, donc on a un texte et on fait parler un personnage, là on contrôle l'entièreté du discours versus une intelligence artificielle où la conversation va au gré de la personne avec qui il échange. Richard, tu as une main levée. Oui, je me demandais si tu lui poses une question dont la réponse n'est pas dans ce que tu lui as donné. Est-ce qu'il va dire « je ne sais pas » ben il va inventer. Il peut en inventer. Et ça, c'est une des choses qui est effectivement un des grands biais de l'intelligence artificielle. Donc, tu sais, exemple, on pourrait lui demander qui est la Bolduc, qui en principe n'est pas du tout dans la même époque. C'est-à-dire Marie-Anne Julie Caron, chanteuse traditionnelle québécoise. Donc, comme on peut voir, ce n'est pas tout à fait au point. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même avoir des questions qui sont peut-être un peu plus aiguillées et tout ça. Donc, bon, mais il y a quand même quelque chose d'intéressant où est-ce qu'il y a des éléments qui sont crédibles. On s'entend qu'on est encore au balbutiement de cette intelligence artificielle et c'est de voir comment est-ce qu'on peut s'en servir de manière adéquate. Donc ça, c'est une des choses que je voulais regarder avec vous. Puis ben, dans d'autres éléments de l'intelligence artificielle, si vous allez voir les activités qui sont réfléchies par le réseau d'univers social, là, donc le récit US, eux autres, ils sont beaucoup dans la création d'images. Donc comment est-ce qu'on va regarder des sources primaires ou des sources qui sont littéralement inventées? Donc, vous pouvez, exemple, regarder des éléments de la crise de la conscription et ainsi de suite. Donc, c'est des générateurs d'images qui nous permettent de nourrir. Mais si je ne m'abuse, j'en avais déjà brièvement parlé la dernière fois. Que c'est intéressant quand même, puisque dans le fond, tantôt, tu as eu de la difficulté, tu pensais que la réponse n'était pas bonne. Eh bien, ça, c'est quelque chose qu'on peut travailler avec nos élèves, pas juste avec cette application-là, mais juste ChatGPT, aller poser des questions à l'intelligence et ensuite évaluer si sa réponse est correcte. Bien, ça va démontrer si votre élève est capable de savoir, de mettre en évidence une bonne réponse et une mauvaise réponse. Bien, veut, veut pas, il travaille son contenu historique, son jugement. Juste par exemple, il y a 2-3 semaines, en fait, avec mon frère, j'ai posé des questions à ChatGPT. Mon frère, en fait, me demandait de choisir des bonnes questions en histoire. Puis là, j'avais de la difficulté. Je me demandais, bon, qu'est-ce que je peux poser comme question? Et là, j'évaluais si la réponse était bonne et je me rendais compte que c'était pas toujours bon. En fait, ChatGPT, par exemple, disait que la grande tabagie de 1603, en fait, lui, il l'associait à la conquête de 1760 et il disait que la grande tabagie était la cause de l'échec de la France, en Nouvelle-France. Alors, je me suis dit, hip, là, ça fonctionne pas son affaire. Mais donc, c'est là que je me suis dit, on pourrait très bien faire ressortir des réponses de ChatGPT et les analyser avec nos élèves pour voir, en fait, si ce sont des bonnes réponses. Eh bien, le travail que tu proposes aussi peut aider nos élèves à concevoir des bonnes questions liées aux opérations intellectuelles, mais d'un autre côté, à évaluer est-ce que les réponses sont bonnes. C'est sûr que là, l'application que toi, tu proposes, ben ça peut être entre les mains de l'enseignant qui peut décider, donc, quel est le contenu qui va être ajouté à l'application. Mais si les élèves se mettent à poser d'autres questions, bien, c'est là qu'on peut voir, en fait, évaluer la justesse de la réponse. Donc, ça peut quand même nous amener à faire des bons exercices avec nos élèves. juste dire vite fait, une autre chose qu'on peut faire avec cette application-là, c'est que les élèves peuvent eux-mêmes créer des personnages et à ce moment-là, nourrir des réflexions. Donc, qu'est-ce que tu penses qu'il faudrait donner à ce personnage-là pour être crédible? Donc là, c'est là où est-ce qu'il y a comme un double exercice. On peut à la fois créer des personnages pour avoir une interaction puis de voir est-ce que c'est crédible ou pas. Mais comme à ce moment-là, si c'est même l'élève lui-même qui développe ces personnages-là, bien, c'est, quelles sont les pensées à avoir? T'sais, exemple, au début, je voulais faire une personne issue d'un autochtone. Là, je me dis, oh, ta minute, ça pourrait être sensible. Ça, si moi, je me mets à personnifier un autochtone et que ce sont mes idées ou quoi que ce soit. Donc, je suis allé appeler une de mes amies qui est autochtone, qui est une interprète de la culture autochtone. Donc, je me dis, hey, ça te tente-tu de travailler avec moi à créer un personnage en intelligence artificielle, de sorte que justement, là, j'ai une plus grande légitimité ou une réflexion qui va être plus concrète. Donc, en gros, il y a quand même cette partie-là où est-ce qu'on met aussi l'élève à contribution, mais l'élève au devant de ça, parce que c'est vraiment facile, comme je vous dis, juste de créer cette image-là
et d'avoir une discussion avec, de nourrir la discussion, parce qu'on peut corriger la conversation aussi quand on en est auteur. Donc, il y a vraiment des choses intéressantes. Richard, je te laisse la parole. Oui, bien, ça m'amène à une réflexion. On se demande souvent comment je peux trouver des questions qui vont faire que les élèves ne vont pas les googler, hein, si on leur donne accès à l'Internet. C'est ce genre de question-là qui dit « voici mon personnage dit ça, est-ce qu'il dit la vérité ou non? » Trouver les éléments, et là, ils vont se servir d'Internet pour chercher, et là, ils vont analyser si c'est un bon site, si c'est une bonne information, laquelle l'information est la meilleure, surtout si on met du vrai et du presque vrai. Donc là, ça devient vraiment intéressant pour développer toutes ces qualités qu'ils vont avoir besoin là et plus tard aussi. Donc, je trouve que c'est à point, comme d'habitude, tu sens ce que tu amènes est à point, et aussi Jean-Félix, pour amener les élèves plus loin, puis aussi introduire le fait qu'on peut utiliser le numérique en classe sans que ce soit nécessairement juste du plagiat toujours. Donc là, on leur demande d'être critique et de discerner les vraies informations. Très intéressant. Puis juste pour terminer avec ce site-là, comme vous pouvez voir, il y a déjà plein de personnages qui sont construits. Donc, il y a Albert Einstein, Napoléon, on a Jules César, on a eu une grosse chicane avec Alexandre le Grand parce que je n'étais pas d'accord avec sa façon de traiter les gens qui ont occupé le territoire. Donc, c'est vraiment très drôle parce qu'on peut vraiment avoir une conversation avec un personnage bon, qui est une interprétation d'une intelligence artificielle, mais je me suis chicané avec, fait que c'était quand même très drôle. Fait que, voilà. Donc, on a manqué un petit peu de temps là, avec mes problèmes d'Internet, mais pas la semaine prochaine, mais en février, je vais poursuivre avec la présentation de mon deuxième outil, puis je vais peut-être vous en proposer d'autres, mais si vous avez des propositions, donc des outils coup de cœur que vous utilisez en univers social, n'hésitez pas à nous les partager. Vous avez nos adresses courriel, donc vous pouvez nous écrire en personne, et n'hésitez pas à nous faire part aussi de vos commentaires face aux outils qu'on va vous avoir proposés. Donc, je vous remercie d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. En tout cas, moi, de mon côté, je te souhaite de joyeuses fêtes à tout le monde. Je vous souhaite du repos, du bien-être, autant que 2024 soit plus heureuse. Et merci, joyeuses fêtes à tout le monde. Merci Richard, merci Jean-Félix pour votre aide aujourd'hui. Donc, joyeuses fêtes, puis on se revoit cet hiver.